Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de mon let's play sur le jeu Banished. Alors, je vous reprends, ça se passait plutôt bien, on n'avait pas de problème dans le dernier épisode. On avait construit un Fosterstone Lodge, un Gather Hut, on avait construit beaucoup de choses. Log limite, on va la monter parce que c'est toujours bien d'avoir beaucoup de bois. Pour l'instant, ça se passe bien, on a même un verger en cours. On a beaucoup de nourriture, beaucoup de bois, beaucoup de firewood. Non, pour l'instant, tout est absolument nickel. Par contre, on va vite manquer d'outils. En fait, ce qui va nous poser problème, à la base, ça va être les ressources premières. C'est-à-dire tout ce qui nécessite, par exemple, de faire une mine. Plutôt cool, d'ailleurs, on a une... Voilà, on a une montagne juste à côté. Donc la mine, on n'est pas obligé de la mettre très loin. Par contre, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. L'idéal, je pense, ça serait de mettre la mine ici et de mettre la deuxième version, donc la carrière qui elle, est encore plus grande, la mettre ailleurs. Ah, le problème de la carrière, c'est qu'elle est vraiment très très grande, quoi. Elle est vraiment très très grande, alors à moins qu'on mette... Ensuite, dans le bon sens. Sauf qu'il n'y a pas 36 000 endroits où on peut mettre ce genre de truc. Donc on peut la mettre là. Et pourquoi pas mettre la carrière en face. Le truc c'est que ça coûte énormément en ressources, quoi. Ah ah, donc là on a un laborer qui s'est mis en route. On va mettre un deuxième fermier. Donc on voit que la santé moyenne est pas énorme, enfin elle est passée à 4. C'est pas mauvais, mais c'est pas énorme non plus. C'est pour ça qu'on va peut-être se taper dans l'herboriste. C'est toujours bien parce que les herbes médicinales c'est important. C'est pour ça qu'il va nous falloir d'ailleurs un... Comment ça s'appelle ? Il va nous falloir des constructeurs. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont bientôt atteindre l'âge requis? Oui, il y en a même deux. Il y en a même deux. Donc là, ça avance bien. Ah ah! Donc là, ouais, le premier qui est passé, donc on va pouvoir la signer. Alors, on peut voir la production de... Voilà, production de la saison. Alors, la saison dernière, juste la saison dernière, on a fait 1280, ce qui est absolument énorme. Et c'est très très cool. Bon, par contre, on mange que du poisson. Là aussi, il y a un peu des trucs, il y a des racines, des oignons, tout ça. Ça, c'est la Gather Hut qui donne ça, ce qui est très très bien. On va augmenter un peu le fuel limit, voilà. Donc ici, ça va être notre zone forestière, c'est-à-dire que là, on va pas y toucher. On va taper dans tout ce qui est forestier ici. Je pense qu'on va finir par mettre un tunnel par là. Pour passer de l'autre côté. Est-ce qu'un tunnel ça passe? Oui, ça passe. Nickel. Donc là, hop, un nouveau laboureur qui va travailler en tant que constructeur. Ça avance bien, ça avance bien. On n'a pas non plus 500 000 ressources, on a un peu ce messier. C'est pour ça que j'aimerais rapidement qu'on fabrique une mine et une carrière. Parce qu'avec ça, on aura au moins une production assurée de ressources. Pas forcément énormissime, mais une production assurée quand même. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être que j'aille en face, c'est-à-dire que je fasse un pont. J'ai beaucoup de trucs à faire. En fait, il y a énormément de trucs à faire au tout début. Il faudrait que je construise une maison aussi. Une maison en bois qu'on va mettre à mettre là. On va mettre là. Et hop, un nouveau laboureur. Ah ah, c'est presque fini ici.
Savez-vous, le mec il est juste venu donner un petit coup de scie et puis s'est barré. Ouais, c'est à peu près ça, il est venu juste... Allez, finissez-moi ça. Voilà, ça y est. On va baisser d'un cran. Où est mon herboriste? Voilà, c'est là. Ça y est, donc là, ils ont fini de tout construire. Donc on va mettre un herboriste et on va mettre un... Bah, un autre forester. Et on est plutôt bien. On est plutôt bien. D'ailleurs, est-ce que le forester fonctionne bien? Ok, on a eu 18 la saison précédente, mais je crois que je l'ai mis en route que la saison précédente. Ok. Non, ça se passe bien pour l'instant. Alors par contre, c'est un peu dégueulasse comme jeu quand on se dit que c'est à chaque fois c'est un couple, mais si c'est des couples de 10 et 11 ans, c'est un peu bizarre quand même. C'est un petit peu dégueulasse. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'on peut faire une nouvelle famille, ce qui est plutôt bien. Alors, ça se passe très bien pour l'instant. Et là, c'est le jeu en version facile. Hein. C'est normal que ça se passe bien. Ça se passerait pas bien, il faudrait vous poser des questions. Et alors ça, c'est pour les places temporaires pour les sans-abri. Mais c'est en cas de catastrophe, ça, surtout. C'est surtout en cas de catastrophe. On devrait pas avoir à s'en servir. Un marché, c'est cool aussi. Parce que le marché, en fait, il rentre pas dedans, donc ça sert à rien. A child named Robertus. Robertus, comment on peut s'appeler Robertus, quoi? Incroyable. Faudrait que je fasse un cimetière aussi. Et genre à l'écart. En fait, j'ai énormément de choses à faire. Faudrait même que je fasse un... Est-ce qu'il faudrait que je le fasse? Un tunnel ici, ce serait peut-être pas forcément une bonne idée, parce que étant donné qu'il n'y a pas énormément de choses. On a 2000 de bouffe, ce qui est absolument énorme. Ouais, on a même regagné une petite barre. Mais il faut vraiment que je fasse les carrières et tout ça, hein. C'est hyper important. Alors à la limite, on va mettre une grande ligne ici. Tac, comme ça. Carrément comme ça, voilà. On va mettre une grande ligne ici. Ici, on va mettre tout ce qui est stockage. D'ailleurs, on va peut-être peut-être couper en deux. On va mettre tout ce qui est stockage sur cette zone-là. Et là, tout ce qui est maison. Et juste en face, on va mettre une mine. Comme ça, les gens, ils sortent de chez eux, ils vont à la mine. On va donner à toutes les maisons, hein, d'avoir la mine devant chez soi. Genre, on la met là, et on met un tunnel en face. Enfin, de l'autre côté. Ouais, ça le fait. Ça le fait plutôt bien. Alors, à moins qu'on puisse passer sur le côté, auquel cas, j'aurais pas besoin de faire de tunnel, ce qui est encore mieux. Est-ce qu'on pourrait passer par là? On a l'air de pouvoir passer, on est d'accord. Ouais, on peut passer. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Du coup, on va effectivement placer la mine. On a des enfants qui naissent, ce qui est très très bien. Ce qui est très très bien. On va pouvoir poser ça. Mmh. On va juste plus avoir beaucoup de pierres après. Allez, c'est parti. Sauf que là, pour l'instant, on n'a pas de gens qui peuvent construire. Enfin, si, on a des gens qui sont en attente parce qu'ils ont rien à faire, quoi. Tout se passe bien. Tout se passe très très bien. Ça avance.
besoin de nouveaux habitants quand même. Plus il y en a qui commencent à devenir assez âgés. Alors, donc là ils sont en train de ramener des matériaux. Ça va être long, la construction c'est 100 quoi. Waouh. J'adore. Quand c'est pas construit, c'est bizarre. Genre là, il y a un polygone bizarre. Là aussi. Alors. On va bientôt avoir un nouveau. En train de jouer. On le suit. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe même très très bien. Ah, c'est un laboureur maintenant. Ça y est, il a enfin grandi. On va mettre en mode construction. Alors. Reserve of log is low. Ça c'est embêtant par contre. Si ma réserve de bois est basse, c'est très embêtant. On a fait 56 sur la current season. Bon, c'est ce que je vais faire de notre builder une fois qu'il aura fini. Je le mettrai au woodcut, au forester, c'est important. Alors, sinon effectivement ça serait cool qu'il me finisse la mine. On va bientôt atteindre la troisième année. On a déjà 21 adultes. Ça fait quand même 29 habitants. Oula, par contre on a vraiment plus beaucoup de bois. Il va falloir se méfier. Bon, par contre, on a toujours de la nourriture. C'est le bois qui nous fait un peu défaut. Ah, là, ça construit bien. Ça construit même très bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est le... C'est le passage... Où on sait pas trop quoi faire, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de personnes pouvant travailler. Là, on a un nouveau gosse. 9 enfants. Ah ah! Valorine qui va bientôt devenir adulte. Allez. Presque fini. Ça y est. Donc là on peut récupérer charbon et coal. On peut pas prendre les deux, ce qui est très bizarre. Alors du coup, on va baisser ça, on va mettre dans le forester. Donc on peut mettre 15 mecs à la mine, ce qui est quand même énorme. Mais c'est à peu près, je crois que c'est pareil pour celle-là, pour la carrière. Sauf que la carrière, c'est encore plus gros. Et je sais pas du tout où la mettre. Limite, pourquoi pas la mettre en face, quoi. Genre par exemple, yep. Voilà, il est là. Donc on met un pont ici. Oh la vache, ça coûte énormément en bois quoi. Et je peux pas franchement me le permettre. On va attendre que j'ai fait des meilleurs stocks de bois.
On va attendre un peu. Alors, que puis-je faire? Donc là, on a atteint la limite des herbes. On va mettre à 200. Toujours bien d'avoir des stocks. Donc les arbres grandissent. Oh, 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 attendez, on en a eu 4 en laboureur. C'est vrai qu'il y en avait 4 qui étaient nés presque en même temps. Et du coup, eh ben... je sais ce que vous allez faire. Hein. Allez miner un peu. Augmenter un peu la limite. Une fois qu'ils auront atteint les 300. Ce sera plutôt bien. Je suis curieux de voir combien ça produit. On voit absolument rien. Des fois il y a des bugs, on peut voir des trucs, mais là on voit absolument rien. Alors. Là il faudrait que je fasse comme bâtiment. La carrière. C'est vraiment la carrière qui va devenir une priorité, à moins qu'on enlève toute la pierre. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. On aura besoin de pierre. Non, ça c'est le fer que j'ai demandé sans faire exprès. Donc là j'ai demandé collecte de pierre. Donc là il y a un peu de charbon, enfin d'iron qui est sorti. On a produit 4. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Alors on a 2 laboureurs. J'espère vont venir chercher la pierre. Voilà, c'est bon. C'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Ensuite, c'est la carrière, quoi. Ça nécessite quand même beaucoup de bois. On est déjà en late summer. Et en fin de l'été, on a déjà passé la moitié de l'année. Ça passe vite, hein, ça passe très très vite. Il suffirait qu'on en mette un par là. Parce que là on pourrait mettre des champs. Et si on pourrait mettre des champs et des autres trucs. On peut le mettre là, tout simplement. On va le mettre là. C'est parti, construction. Là c'est une grosse construction qui va nous nécessiter beaucoup de bois. Donc j'espère que le forester va être à la hauteur. Oui, je pense que ça doit aller. Je pense que ça devrait parfaitement aller. Là les arbres vont bien, tout est nickel. Il y a des passages comme ça où tout est vraiment nickel. Du coup on peut passer à vitesse x10. Par contre c'est à utiliser avec modération, ça va quand même très très vite. Voilà, réserve d'outils qui est basse, c'est pour ça qu'il me faut tout. 20 minutes, la réserve d'outils qui est basse, donc du coup ils vont bien moins travailler.
pour ça qu'il me faut rapidement un blacksmith, mais qui nécessite du bois et de l'iron. Le blacksmith qui ne rentrera pas, donc il faudra que je mette par ici. Mais pour l'instant j'ai pas encore assez de matériaux vu que on n'a pas encore tous les trucs qui sont opérationnels. Donc on va attendre. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là ils peuvent pas travailler sans outils. Alors, hop. La réserve de bois est basse. Effectivement, la réserve de bois va baisser d'un coup. D'ailleurs, ça va être très dur. On devrait mettre... Peut-être... On va la remettre en pause, voilà. On va la mettre en pause parce que sinon, ils vont utiliser tout notre bois. Et c'est pas du tout ce que je cherche, étant donné que là, voilà, il n'y a plus beaucoup de firewood. Donc ça serait un peu risqué. On va attendre. On va attendre le renouveau du beau temps. Et de toute façon, ça fait 20 minutes. On verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Salut à tous!